Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette cérémonie de vernissage de l'exposition de photographie documents, première exposition de ce genre à Luang Prabang. Je déclare donc ces expositions ouvertes et j'invite Monsieur Gilles Lenné, conseiller de coopération et d'action culturelle, à bien vouloir prendre la parole. Merci beaucoup, Jean. Monsieur le gouverneur, monsieur l'ambassadeur, monsieur le vice-président, excellences, mesdames et messieurs et chers amis, lorsque nous avons été saisis, voici quelques mois, par monsieur le gouverneur de Luang Prabang, d'une demande de participation à la célébration de ce 10e anniversaire sous forme d'un événement culturel, nous avons bien sûr répondu positivement à cette requête et très vite songé à des expositions photographiques. Nous nous sommes alors fixé plusieurs objectifs. Tout d'abord, nous souhaitions marquer l'événement par une manifestation spectaculaire pouvant donner lieu à une campagne promotionnelle internationale permettant ainsi de mieux faire connaître la ville de Luang Prabang et le travail de mise en valeur qui a été fait depuis 10 années. En second lieu, il nous a paru important de lier étroitement cette manifestation, par nature ponctuelle, aux actions de restauration réalisées par la Maison du Patrimoine. La présentation de ces expositions dans les bâtiments remarquables permet une double mise en valeur, celle du travail des photographes, mais aussi des bâtiments eux-mêmes. En troisième lieu, nous avons souhaité que cet événement soit accessible à toute la population luang prabanaise, au contraire d'un spectacle, par exemple, qui, pour des contraintes techniques évidentes, aurait été limité à quelques-uns. La présentation de ces expositions, adoptée aussi bien dans les bâtiments remarquables que dans la rue principale de la ville, en est l'expression la plus visible. Enfin, au-delà du 10e anniversaire, nous avons souhaité mettre en place une manifestation qui pourra être reproduite. Nous souhaitons que ce document soit une première édition et que dès l'année prochaine, un document 2 puisse être présenté, instituant ainsi une sorte de rendez-vous annuel. Les expositions que vous allez avoir le plaisir de découvrir sont diverses, dans leur forme d'expression tout d'abord, mais le Laos, le patrimoine et Luang Prabang en sont les fils conducteurs. Trois ensembles s'articulent donc pour cette première édition de documents. Tout d'abord, une partie de photographie documentaire avec 6 expositions qui sont présentées dans 4 bâtiments restaurés et qui sont souvent des photographies inédites ou rarement exposées. La commissaire, Madame Marie Lelièvre,
a choisi d'exposer plusieurs auteurs en centrant chaque exposition sur un thème précis. L'exposition de l'âme du Tien à la villa Xianwan, juste derrière, présentera son travail sur le Mekong. Celle de John Wink à Black Ambon présentera son travail sur les populations montagnardes de Villaos. Black Ambon, là-bas. Son ouvrage qui est bien présenté sur Black Ambon, c'est lié à la vie de Pudoy. Celle d'Antonin Lenné à la Maison du Patrimoine présentera la ville de Vientiane et les transformations de la ville. Son ouvrage qui est bien présenté sur Hong Kong Morodok, c'est lié à la vie de Vientiane et la vie de la ville. Celle de Rassi qui est présenté à la villa Vatmai, juste derrière nous, sera l'occasion d'admirer son travail sur les bambous. Les Kongtan Rasihan, men Pongan Hupap Kyo Kap Mepai, Jat Yutona Vatmai. Celle de Tian Doan Nation Pasak présentera, présentée à la Maison du Patrimoine, présentera son travail sur le Vatpou. Les Kongtan Kyo Kap Vatpou, men Jat Sedeng Yu Hong Kan Morodok. Enfin, il y aura aussi des photographies de studio qui sont présentées à Bua Khan Bun, qui nous présenteront des portraits de jeunes femmes avant et après. La deuxième partie de cette manifestation, donc c'est une partie événementielle dont le commissariat a été confié à M. Alain Leloup, qui a permis à trois photographes français, Monique de Résibus, David Mozikonachi et François de la Derrière, de découvrir Luang Prabang et au terme d'une résidence, de nous faire partager leur regard sur la ville. C'est cette exposition qui se veut collective, qui est présentée sous forme de tirage grand format, Russi Savan Wong. Ce sont les photographies que vous pouvez voir sur votre droite. Les photographes sont en train de se Enfin, c'est la troisième partie. Un atelier de formation a permis aux étudiants de l'école des beaux-arts de Luang Prabang de s'initier à la photographie. Ce travail qui révèle des surprises et sans doute des talents est présenté dans le bâtiment de l'école des beaux-arts. Nous avons aussi des photographes qui ont appris Permettez-moi au nom de l'ambassade de France de remercier les autorités laotiennes de Vientiane comme de Luang Prabang d'avoir accepté le principe de cette exposition, de ces expositions et d'avoir soutenu ce projet dès le début. Je souhaite adresser des remerciements particuliers à la Maison du Patrimoine, dont l'implication forte et continue, malgré une énorme charge de travail ces dernières semaines, nous a permis de mener à bien cette manifestation. Mes remerciements et mes félicitations vont également vers les commissaires des expositions pour l'immense travail qu'ils ont réalisé en un temps record. Ils vont bien évidemment vers les photographes pour la qualité de leur travail. Il s'adresse aussi à ceux qui, à Paris comme à Bangkok, ont réalisé les tirages de ces expositions, réalisant parfois des prouesses techniques et toujours des prouesses artistiques. Il s'adresse bien évidemment à mes collaborateurs du Centre culturel et de coopération en linguistique qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour que cette opération soit un succès. Je vous présente M. Viala,
responsable du centre de l'encre à Vientiane. C'est grâce à lui que je pouvais exposer à Vientiane au mois de mai. Et aujourd'hui, à l'Ompreban, pendant le 10e anniversaire du patrimoine mondial, l'Ompreban comme patrimoine mondial. Et je suis très heureux d'exposer dans cette ville, une ville de culture. Alors je suis très heureux de pouvoir continuer à travailler avec Rassi, car ma découverte du travail de Rassi a été quelque chose de très important pour moi. C'est un travail tellement profond, et je dirais profond par la pensée et profond par la matière. Profond par la pensée, parce que c'est un travail de méditation qui demande à ce qu'on se plonge dedans avec la plus grande attention. Et on peut rester des heures à scruter le mystère de ces photos. Et c'est aussi un travail de la matière, ce travail de la matière même, de la couleur noire, ce travail de la chimie qu'il sait manier. Un grand artiste qu'il est, d'une façon absolument inégalable. Et je suis heureux qu'il puisse venir exposer à Ompreban, qui est la grande ville de culture du Laos, et que son travail puisse être connu du plus grand nombre dans son propre pays, où il est encore assez peu connu, il faut bien le dire, et plus connu chez nous en France qu'au Laos, mais j'espère que maintenant tout ça va changer et qu'il va être encore plus connu ici. Allez, alors, allez, tous mes vœux de succès. Merci beaucoup. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler sur cette exposition, parce qu'il fallait trouver une ambiance qui corresponde à l'univers de Rassi. C'est comme une fois qu'on aurait vu ses photos, on comprend pourquoi. Parce qu'il travaille dans des... Il n'y a pas de couleur. Hein. C'est la couleur, c'est le noir et la lumière. Donc il fallait trouver une solution pour que... avoir cette cohérence entre l'ambiance de la pièce par rapport à son travail. Donc j'ai surtout cherché d'abord à voir comment utiliser la lumière. Donc j'ai mis des rideaux pour tamiser la lumière. J'ai tout regroupé dans une seule pièce parce que comme il a travaillé sur... il est monomaniaque, il a travaillé sur son obsession, c'est le noir et la lumière. Donc j'ai travaillé tout dans une seule pièce pour regrouper l'ensemble de son travail. Dans la première pièce, j'ai joué uniquement avec la lumière pour introduire les gens dans la lumière et ensuite aller ensuite vers ces photos qui sont des photos assez sombres. C'est un travail qui demande un peu de temps pour regarder parce qu'il faut déjà commencer à rentrer dans le noir et à partir du noir, reconnaître le sujet. Et le sujet est aussi abstrait, c'est un travail sur aussi la matière, donc c'est quelque chose qui demande du temps. Donc on a trouvé un banc dans la pièce, on a placé un banc. Et du coup, l'ensemble, par chance, dans cette pièce-là, il y a aussi un éclairage très spécial, puisque vous avez des ampoules qui sont alignées au plafond. Du coup, l'ensemble est en soi une installation. Il y a une œuvre globale dans laquelle on rentre dans l'œuvre de Rassi. Et je dois dire que je suis assez... je fais de l'autosatisfaction, hein, mais je dois dire que je suis assez fière de cette expo. Et on a travaillé ensemble, la main dans la main, donc ça aussi, ça a aidé. Ça a aidé, puisque par rapport à ce que Rassi me dit, voilà, moi j'aime bien cet ensemble-là, de cette manière-là, comment je le conçois. Donc ensemble on a travaillé et on a, voilà, c'est le résultat de notre travail collectif. Donc ici je tiens à remercier Marie, elle a des coups d'œil très efficaces. Merci. Et je remercie beaucoup. Voilà. Merci, mais j'espère que vous allez avoir du plaisir à découvrir cette expo. Voilà. Merci. Ouais. Rassi, on s'est connus en 82. Bon, je vous présente, c'est un ami de longue date.
Monique de Régénébus. De Régénébus, oui. Et on a. C'est un photographe de talent. On a été faire des expos ensemble à Milan. Oui. Hein? Hein? C'est un honneur pour moi d'être avec Monique. Merci, à Milan. Merci. Pour moi. Aujourd'hui, je suis très heureux de la rencontrer à Lompaban, au Laos. Et c'est une rencontre qui me fait très, 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 très plaisir. Oui, ben, merci, merci. Oui, ben, moi aussi, je suis très ravie de retrouver Rassi. Oui. C'est une histoire incroyable parce qu'on s'est connus en 92, je crois. Et avec François San, parce qu'avec un ami, on avait monté un lieu à Marseille, on faisait des expositions. Oui. Donc d'abord, on a voulu exposer François San, et François nous a fait rencontrer Rassi. Puis après, nous avons fait une expo de Rassi. Voilà, et on est devenus amis, même si on s'est finalement assez peu vus. Mais le miracle, entre guillemets, hein, c'est de se retrouver en plus au Laos. Ça, alors, j'aurais jamais imaginé retrouver Rassi dans une manifestation de photographie ensemble. Et bon, je suis extrêmement heureuse aussi, voilà. Alors, bien sûr, après, à Paris, il y a eu le... La rencontre avec François, on s'était un peu perdu de vue, mais comme je savais qu'il était toujours en contact avec Rassi, je l'ai recontacté, tout ça. Donc c'est une belle histoire de communauté d'artistes qui se sont rencontrés, beaucoup appréciés. Voilà. Bon, merci. Eh ben merci. Merci, Monique. À toi, Rassi. Très heureux de te revoir. De te retrouver. Merci. C'est vrai? Mais à Paris, avant j'habitais à la cité universitaire. Ah oui, oui. Et lui, avant il faisait du cinéma un petit peu. Un petit peu, oui. Un petit peu, mais après il vient se tomber sur la photo, quoi. Il a choisi la photographie. Oui, c'est beaucoup, quoi. Ça bouge moins. Hein? La photo, ça bouge moins. Oui. Avant de faire des films avec, je ne sais pas comment s'appelle-t-il, celui qui a fait l'hôtel Lansang, là, un architecte. C'est son copain, quoi. Les gens présentent un ancien ami. Et je suis très heureux de revoir aujourd'hui à Lompaban. Et vous pouvez parler quelques mots pour moi à cette occasion. C'est un ancien ami. On vivait ensemble en France. En France, dans les années 60. Oui, dans les années 60. Maintenant, il est devenu un grand cinéaste. Artiste, photographe. Artiste et photographe. C'est bien. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup d'être présent à mon expo. Merci. Avant tout, je suis très content au nom de la population de Lompaban pour la fête du 12e anniversaire du patrimoine. Et puis nous sommes très, très, très heureux d'accepter cette cérémonie qui donne pour la première fois pour la ville de Lompaban. Merci. Merci. Mais je peux dire qu'on fait tout ça pour toi. Oui. Parce que je trouve que des artistes comme toi aujourd'hui, il n'y en a plus beaucoup. On en discutait avant-hier, mais tu as une vraie démarche dans tes photographies qui sont très sensibles et on a envie de donner beaucoup pour elles. Voilà. Bon, merci. Allez. Allez, chin. Merci beaucoup. Merci. On se connaît depuis longtemps, quand vous exposez dans la galerie 660. Oui, voilà. Il y a longtemps maintenant. Il y a longtemps, oui. Félicitations. Alors, merci beaucoup. Allez. Allez, Moncon, tu peux dire quelque chose. Je vous présente Moncon, un ami, vraiment un ami. Et
Et grâce à lui, je deviens photographe. Merci. Et aujourd'hui, c'est un grand jour pour moi de voir la RACI exposer ses chefs-d'œuvre sur ce qu'il a fait au cours de sa vie. Et vraiment, ce sont des chefs-d'œuvre qu'il a réalisé avec beaucoup de patience et de talent. Merci. ครับผมอยากได้เลยนะเดี๋ยวผมอยากได้เลยนะเอาความเล่าก็ได้ความเสนอของเสนอให้ปกครองว่าอันนี้เป็นโรงเรียนยังบ่พอรู้วิจิตรกรรมของเมืองลงกระบังและก็ได้รู้จักคุ้นเคยกันในฐานะข้าพเจ้าเป็นนักศิลปินเพิ่นก็เป็นนักศิลปินที่อายุยังใกล้เคียงกัน แสดงว่าให้เพิ่นขอให้เพิ่นฝากสองสามความที่เฮาได้พบปะกันข้าพเจ้ามีความดีใจว่าได้พบปะนักศิลปินคือกัน Je suis très très content parce que nous rencontrons Monsieur Rassi à mon papa pour le petit groupe pour la photo. Il y en a que je suis le directeur général de l'école des Beaux-Arts à mon papa. Je suis enchanté et très joyeusement parce qu'il y a le troupe des Occidentales qui vient pour la cérémonie du patrimoine à l'Ombaba. Bon, merci. Alors, aussi, ça fait aussi un ami aussi, un ami. C'est un ami de très longue date. De Vincennes? Non, de Vincennes, de Vincennes, du lycée, et de Paris, de France aussi. Très heureux qu'il soit là aujourd'hui. Merci bien. Aujourd'hui, je suis très heureux de retrouver Kentavin, qui est l'Ombrabangnais que je puisse exposer dans sa ville. Et j'ai retrouvé mon ami de longue date. Et, tu peux dire quelques mots à nos amis? Je suis très heureux de retrouver mon ami de classe à Vincan. Et puis maintenant, il est venu ici pour l'exposition des photos noir-blanc. C'est très étonnant à voir parce que je suis heureux, très heureux de l'exposition. Allez. L'ouverture, nous, les amis de Ombrabang qui viennent visiter mon expo et en même temps, c'est l'ouverture de mon exposition. Les amis de Vincennes et de Ombrabang. De Ombrabang et de Vincennes, oui.
C'est la série de feuilles de lotus. Et c'est la première fois qu'ils sont exposés. Et c'est très bien, ils sont exposés à Lomprabang. Voilà, c'est la série de lotus. C'est le pur photographie. Et comme j'aime beaucoup le noir, et je prends le noir comme matière, donc je dois chasser petit à petit la lumière. Mais je laisse au minimum la lumière. Quand la lumière, il y a l'image, il y a la vie. Sans la lumière, c'est le chaos, c'est la non-vie. Et c'est pour cela qu'il faut comprendre ce principe pour comprendre mes photographies. Voilà, vous pouvez visiter mon expo. Quoi. Je vous invite à visiter. Oui, vous les retrouvailles. J'ai jamais exposé en France. C'est le goudron, ça. Non, c'est les feuilles de lotus. Ah, d'accord. Non, parce que je savais que tu avais aussi beaucoup travaillé sur l'ambiguïté. Oui, oui, oui. Ouais. Les feuilles de lotus. D'accord, ce sont des feuilles de lotus. C'est ça. C'est toi. Tu as fait ça de ici au Laos? Non, non. Non, à Paris aussi. Dans les lacs, il y a trois lacs qui s'appellent les lacs de la Reine Blanche à Chantilly. À Chantilly. C'est ça qui est fait. Comme quoi on trimballe toujours un monde dans sa tête et que la photographie, c'est toujours un peu ça. Et c'est tout valable ici, le feuille de lotus. Mais c'est Chantilly, tu te trompes. Chantilly, Lomprabang, c'est pareil, ouais, c'est pareil. Mmh. Hein? Notre planète est très petite. Oui. La valeur du noir. Du noir. Les détails dans l'image. Ce sont des images très riches, très riches. En détails. Merci. Félicitations, Allez, Léon. Félicitations. Pour ce soir. Puis je remets des lettres pour François Sagne et pour notre docteur. Oui, monsieur le docteur Garde. Docteur Garde. Ouais. Vous venez tout à l'heure? Oui. Ah oui. Alors, félicitations. Oui, félicitations. เบิ่งได้ดีก่อนเฮาแต่พอเฮามาเบิ่งนี่ก็เบิ่งเกือบผ่านไปซื่อๆแล้วมันเข้าใจมันก็เดาไปยามเดาว่าแต่ละฮู้มันเป็นหยังมันเป็นเบอร์ไพ่บ่มันเป็นหยังซี่เฮาก็เข้าใจว่านักศิลปินเพิ่นจะต้องอ่านออกแล้วว่าฮู้เพิ่นแต่ละฮู้มันเป็นจังได๋นะแต่ว่าพวกเฮาเบิ่งเกือบผ่านไปซื่อๆเพราะว่าฮู้เฮามันบ่แม่นศิลปะเข้าใจว่าแนวนี้ซะก็ดีที่ว่าเพิ่นมาวางแสดงให้เบิ่งหั่นนะแต่ว่ามันบ่ทุลมอง ตำผ้าไทยดำงามหลายน้อง
องตำผ้าไหมงามวิไลใจน้องขยันถึงไม้เส้นน้อยน้องสร้างสอซ้อยตำผ้าลายพันโอ้จันจันงามน้องนั้นยับย้ายกวยแขนงามน้องนั้นยับย้ายกวยแขนงามเด็กสาวใจดำเฮาหนาน้องสร้างวาจาซึ่งดังเสียงเพลงแสงจันทร์วันเพ็ญเป็นแสงมาพาน้องน้องพร้อมกันตำผ้าไหมลมพัดกิ่งก้อยเสียงแคนแววมาโอ้ขวัญตาสาวไต่ดำตำผ้าแพงามสาวไต่ดำตำผ้าแพงามย่านบุญโบถึงได้แต่เบิ่งมาสร้างความฝันจันแต่จันว่าล่าเอ๋ยงามเด้สาวใต้ดำเฮาหนาน้องสร้างวาจาซึ่งดังเสียงเพลงแสงจันวันเพ็ญแสงมาพาน้องสุดสายน้องพร้อมกันตำผ้าไหมลมพัดกิ่งก้อยเสียงแคนแววมา